allora siamo a Namur, 33esima edizione con Sylvestre Bill, non soltanto un giornalista dell'Echo, è un giornale economico come sapete, ma è anche un regista. Bonjour Sylvestre. Bonjour. Et alors, est-ce que vous voulez en parler d'un film que vous avez vu ici et que ça vous a particulièrement frappé? Alors le film qui m'a le plus plu pour l'instant, c'est Pupille de Jeanne Herry, avec toute une série d'acteurs français, Gilles Lelouch, Sandrine Kiberlin, Elodie Bouchèze, Olivia Cotte et bien d'autres. Et c'est un film totalement extraordinaire qui raconte l'histoire d'une adoption d'un bébé. On prend même avant la naissance du bébé. C'est un film choral avec plein de personnages et ça prend le spectateur pas totalement par surprise, mais quand même un peu, parce que on pense au départ qu'on va être dans un film classique qui vous raconte quelque chose d'émouvant certes, mais alors petit à petit la metteuse en scène arrive à vraiment nous cueillir et à faire résonner en nous notre âme, notre personnalité la plus profonde. Qu'est-ce que c'est que d'être l'enfant de quelqu'un, d'où on vient, ce que c'est que d'avoir soi-même des enfants. Toute la vie, toute l'humanité passe dans ce film. Et alors, en plus d'être un film qui, au niveau du thème et au niveau de l'histoire, vous prend complètement, parce que vous ne pouvez pas échapper à toutes ces questions personnelles, freudiennes depuis toujours, mais en plus, au niveau purement du cinéma, c'est une leçon de cinéma, parce que comme c'est un film choral, tous les personnages existent tour à tour, et c'est merveilleux. Merci bien, et à la prochaine.